Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rito, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre homme, c'est Vité Eritor. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous avais promis de réagir sur le tout dernier Djidja Rafat Sab, ouais. Ah la Chine, la Chine, la Chine. Je sais que beaucoup de Chinois seront fâchés. Je sais que beaucoup de Chinois vont m'en vouloir. Mais vous savez que je suis un gars, je suis très franc dans ce que je dis. Voilà, je suis vraiment 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 très véridique quand je vais donner mon avis sur une chanson ou sur une situation. Je vais fredonner un peu un son de une petite partie du son de Bordeaux avant de commencer. Là, au moins, vous allez vous calmer un peu. Je m'appelle Debado Likoufé. Je vous ferai danser, danser. Je vous ferai bouger. Agazao, agaza, 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 kouriye, mami, mami, aza. Agaza, 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 kouriye, mami, mami, agazao, agaza. En tout cas, force aux Chinois, force aux légionnaires. Voilà, ceci étant, on va rentrer dans le vif du sujet. On était tous là, le morceau qui contrôlait, pour ne pas dire qui contrôle toujours encore, si je ne m'en abuse, c'était Agazagata de Guadeloupe qui a explosé tous les records sur YouTube, avec 101 000 vues en 11 heures seulement, et 220 000 vues en un jour, c'est-à-dire 24 heures, 24 heures, 220 000 jours. Et actuellement, on court vers les 300, je crois, 50 000 maintenant. Voilà. Et comme d'habitude, pour ne pas dire de coutume, on sait que Djidja Rafat, son vrai et seul concurrent, c'est Debordo Likoufa. Il nous envoie Saboué. Avant de vous donner mon opinion sur Saboué, j'aimerais lancer un message à certains fans de Debordo Likoufa. Je vous comprends, je vous comprends. Souvent vous êtes fâché, certains propos de Djidja Rafat, vous vous emportez, vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Et moi aussi, ça ne me plaît pas souvent, mais hein, je me suis assis et puis j'ai réfléchi. En fait, vous savez, ils peuvent être les meilleurs amis, ils peuvent être en parfaite harmonie, les relations peuvent être bonnes, mais Djidja Rafat, c'est un compétiteur. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris, quoi. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Djidja Rafat, c'est un compétiteur. C'est-à-dire, même si tu es mon petit frère, même si tu es mon papa, quand on fait le même genre musical, moi j'ai pas envie que quelqu'un prenne ma place. Je veux rester toujours le numéro 1. C'est ce que vous devez comprendre avec Djidja Rafat. C'est vrai que ses façons de faire, ça fâche. Voilà, c'est-à-dire même quand il veut clasher quelqu'un, ou bien même quand il veut narguer quelqu'un, ou bien même quand il veut envoyer des piques à quelqu'un, ses propos déteignent un peu sur tout l'entourage de cette personne-là. Voilà, donc souvent vous ne comprenez pas. Sinon, retenez que Djidja Rafat et Debordo sont toujours chose en compétition. Ce sont des meilleurs amis. Ça, c'est moi, je ne peux pas vous, truc, vous blaguer. Actuellement, les relations sont très bonnes. Ne profitons pas de certaines situations pour créer encore des guerres. Voilà. Je serai fan dans cette vidéo-là. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Je vais juste planter les décors pour vous expliquer certaines choses. Djidja Rafat, c'est un compétiteur. Voilà. Lui, vous pouvez manger dans la même assiette. Mais son coupé décalé là, lui, il est toujours numéro 1. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, quand Ray Chanel l'a quitté, ça lui a fait mal parce qu'il s'est dit, si le petit, il est talentueux, s'il me quitte, il devient tout de suite un concurrent. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est Djidja Rafat. Et puis, j'aimerais que les légionnaires, les vrais légionnaires, qui sont ouverts d'esprit, qui comprennent la musique, qui comprennent comment les choses fonctionnent, comprennent les choses ainsi. Voilà, c'est qu'ils comprennent un peu le Djidja Rafat, comment le mec il fonctionne. Voilà, parce que moi j'ai compris un truc. Si notre Debordo, que nous disons supporter, ne s'est pas plaint, il sait pourquoi. Parce que, remarquez bien, toutes les fois que Debordo Likoufa a envoyé une bombe, il s'est toujours fait suivi d'une sonorité ou bien d'une nouvelle musique, mais d'une nouvelle bombe aussi de Djidja Arafat. Et vous savez que ça n'a jamais rien fait à Debordo Likoufa. Ça n'a jamais écorché l'élan de ses sons. Voilà, donc soyez tranquille. Ceci étant, parlons de Saboué. En fait, si je veux être franc, Saboué, c'est dansant. Saboué, c'est un bon arrangement. Saboué, c'est un gros hit aussi. Mais ce qui m'a un peu dérangé, en toute franchise, il y a des Chinois qui peuvent être francs avec moi, qui veulent reconnaître ce que je veux dire, qui ont remarqué ça aussi, ils vont confirmer ces choses, mes propos. Ils vont dire effectivement, Eritor, tu as raison. Je ne dis pas que Saboué, ce n'est pas un bon son. Je ne dis pas que Saboué, ce n'est pas dansant.
le sabouet, c'est un son que moi-même j'ai validé. Je l'ai mis dans mon commentaire. J'étais l'un des premiers à commenter la vidéo de DJ Arafat lorsqu'elle était, elle a été mise en ligne, puisque je suis abonné à sa chaîne. Mais ce qui m'a un peu découragé dans Sabouet, j'ai retrouvé malheureusement du pandoukoulé. Je vous explique. À partir de, on va dire, de la 13e seconde, voilà, de la 13e seconde, 13e ou la 14e seconde, c'est-à-dire avant qu'il, juste après qu'il parle, le début, le casque là, c'est le même casque là avec pandoukoulé. Et puis, c'est le même fond. C'est le même fond, il a juste ajouté de nouvelles sonorités dans l'arrangement du pandoukoulé et puis une nouvelle manière de chanter. Voilà, ça ne veut pas dire que le son n'est pas bon, mais c'est ça mon opinion franche en fait. Si je veux être vrai avec les Chinois, si je veux être vrai avec le showbiz, le pandoukoulé, le truc, le sabouet ressemble typiquement au pandoukoulé. Soyons francs, faut pas, on va se mentir. C'est vrai que c'est dansant, c'est un bon son, voilà, mais ça ne m'a pas trop emballé. Parce que j'ai retrouvé franchement du pandoukoulé. Le son est dansant, les amis. Le son est vraiment dansant. Et puis, il y a un truc que DJ Arafat a apporté dans le nouveau arrangement. C'est au niveau de la minute. À partir de 2 minutes 13 secondes dans son sabouet, à partir de 2 minutes 13 secondes, il a fait un nouveau arrangement. Il a apporté un plus. C'est à partir de là qu'il sort un peu du cadre pandoukoulé. Voilà, à partir de 2 minutes 13, c'est là qu'il sort un peu du pandoukoulé. Sinon, moi, du début jusqu'à ce que je vous dis là, à partir de 2 minutes 13 là, c'est du pandoukoulé que j'entendais. Honnêtement, il a juste changé la manière de chanter. Sinon, c'est du pandoukoulé. L'arrangement, le fond, on voit du pandoukoulé. Même après cette minute de 2 minutes 13, 13 secondes là, à partir de 3 minutes 16 secondes, le pandoukoulé revient encore. Voilà, moi c'est ce qui m'a un peu dérangé et j'avais envie de dire ça publiquement ici pour dire que certes le son est dansant, mais au niveau de l'arrangement, il n'y a pas trop eu de recherche. Parce que je me dis que DJ Arafat, qui est un très bon chanteur, qui est un grand artiste, qui est devenu aussi bon arrangeur, il devait se rendre compte que il a un peu raté une partie de son hit. Voilà, même si, moi je me dis, même s'il avait enlevé le début. Le début, c'est-à-dire à partir de la 14e seconde, d'enlever le début de chose, du caisse clé là, qui a la même introduction que le pandoukoulé. Bon, il pouvait mieux se défendre, mais à cause de ce début là, ça ressemble très pour très au pandoukoulé. Moi, c'est ce qui m'a un peu découragé. Je m'attendais à mieux que ça. Voilà, je m'attendais à mieux que ça. Maintenant, à savoir si le pandoukoulé et si le sabouet peut rivaliser avec Agaza Gaza. Honnêtement, moi, je suis fan de Bordeaux Lukifa. Et puis, si on veut être franc, si les Chinois veulent le reconnaître actuellement, Agaza Gaza est au top. Les amis, Agaza Gaza est traité de plagiat, Agaza Gaza est critiqué, mais Agaza Gaza est au top. C'est une œuvre musicale qui est hors du commun, les amis. Vous devez comprendre ça, c'est hors du commun. Et puis, je connais DJ Arafat, vous allez me dire que j'ai eu raison. Il fera sortir un son après Sabouet, avant même le mois de décembre, pour rivaliser vraiment à Gaza Gaza. Sinon, lui-même, il sait, quand il va s'asseoir, puis il va bien écouter Sabouet, il va voir que, ah, j'ai raté quelque chose dans mon arrangement avec Sabouet. Ça, je vous le dis. Vous allez me dire que j'ai raison. Il y a d'autres Chinois qui vont pas aimer cette vidéo parce que j'ai été vraiment direct et franc. Mais je n'ai dit aucunement dans le morceau que le morceau n'est pas chic. Le morceau est vraiment chic. Mais Arafat s'est un peu raté parce qu'il a mis du pandoukoulé dans du sabouet. Voilà. Sinon, le sabouet, j'aime bien, ça se danse comme ça, c'est bon. Mais je peux vous rassurer, pour vous montrer que j'ai raison, DJ Arafat va sortir un hit qui sera à la valeur de Agaza Gaza de Bordeaux Lukifa. Sinon, pour l'instant là, franchement, Agaza Gaza est largement au-dessus de Sabouet. Ne vous fâchez pas, ce que je dis, c'est la vérité. On est tous fans. Si DJ Arafat n'avait pas mis du pandoukoulé dans du sabouet, là, on pouvait parler de concurrence, mais là, je pense qu'il n'y a pas concurrence. Honnêtement, les Chinois, vous savez que je ne suis pas en train de vous mentir. Ne vous fâchez pas avec moi. J'ai été vrai parce que vous savez que je suis le gars qui dit ce qu'il pense. Voilà, j'ai dit ce que je pense. Voilà. Sinon, Sabouet, c'est bon. Comme j'ai dit là, écoutez bien, à partir de 2 minutes 13 secondes dans Sabouet, il a apporté un truc qui m'a vraiment accroché, qui m'a vraiment plu. C'est ce qu'il fait et puis je valide Sabouet. Voilà, je me suis dit, c'est vrai que le gars, il s'est perdu au début de son arrangement, mais il s'est rattrapé vers la deuxième minute
de choses, de son arrangement, de son son en fait. Sinon, les amis, à Gaza Gaza, contrôle. Saboué, contrôle. Mais à Gaza Gaza, si on veut faire le classement, est actuellement en tête des hits coupés décalés pour l'instant. Faut pas, on va se mentir. Parce que beaucoup de Chinois ont validé. Moi, c'est ce qui m'a plu. Il y a beaucoup, beaucoup de Chinois qui ont validé à Gaza Gaza de Bordeaux, les Koufa. Donc, DJ Arafat, puisqu'on te sait très inspiré, très créatif, fais-nous sortir un autre truc que Saboué. Voilà. Tu sais très bien que chaque fois que tu veux faire sortir un son derrière ton ami de Bordeaux, le Koufa, lorsqu'il fait sortir une œuvre, ça ne prend pas trop. Voilà, rappelle-toi. Tu l'as fait avec, je me rappelle, Nafa Gate, avec Vladimir 1, Vladimir 2. Et c'est le Vladimir 2 qui a rivalisé un peu avec Nafa Gate. Donc, je te laisse rentrer encore en studio pour nous faire sortir quelque chose. Sinon, tu sais très bien que Saboué est très proche de Pondokoulé. Donc, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires. Donnez-moi votre avis sincère, sans injure, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Big up à DJ Arafat, big up à Debordeaux. Et vive le 29 décembre 2018. Saboué versus Agaza Gaza. Ciao, ciao, les amis. Eri dolce ti vi cherche ti vi Eri Eri dolce ti vi